Bonjour tout le monde, alors c'est pour vous prévenir que j'ai eu un petit problème de micro pendant la séquence que j'ai capturée. Donc c'est pour ça je voudrais m'excuser. Et vu que j'avais déjà fait en fait la vidéo, et bah je peux pas recommencer. Donc bah je suis obligée de laisser tel quel. Et je suppose en fait que ça n'a pas pris en compte en fait mon micro, mais le micro de l'ordinateur. Enfin, ça a fait un mixte, alors que ça me dit très bien qu'en fait j'étais avec le bon micro. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, donc c'est pour ça. Je vous préviens, la qualité de son est pas top du tout, hein. Elle est ignoble. Donc c'est pour ça que j'ai baissé le son et on va faire avec, tant pis. À toutes mes amis chasseurs et chasseuses, et nous voici pour la suite de Monster Hunter Rise Sunbreak, bien évidemment. Hein, maintenant, j'avais oublié de parler à ce petit calico, enfin, petit féline. Alors, souhait, je vais aller droit au but. Tu t'occupes bien de tes palicots, ils ne sont pas trop sauvages. Nagui de l'atelier Pilepoil m'a dit qu'il y avait une campagne d'amélioration pour les palicots de type bombardier. Emmène ton palico avec toi et termine 3 quêtes RN. Il pourra apprendre une habilité. Vous avez encore plein de choses à apprendre. J'ai hâte de voir votre progression. Voilà, j'avais oublié ce petit mini. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à péter la barre des pouces bleus. J'étais en train de regarder un truc. Ouais. Donc d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à aller sur les Facebook, donc mon Facebook personnel, enfin personnel pour la chaîne bien évidemment, et le Facebook de Monster, enfin mon propre Monster, hein, puisqu'il y en a un officiel, le Twitter qui est Noctali21, et bien évidemment mon compte Twitch, donc XXNoctali21XX, de toute façon tout est en description. J'ai entendu l'amiral Galeus crier, il est si calme d'habitude. J'espère que tout va bien. Les personnes importantes ne crient pas sur leurs subordonnés pour rien. Pas Galeus en tout cas. Il doit avoir une bonne raison. Bref. Comme tu le sais, un Bichaten Sangar a fait son apparition au temple oublié. Si Fioren dit vrai et que les monstres du royaume sont en train d'envahir les autres territoires, il faut faire vite. La bonne nouvelle, c'est que Fioren va t'accompagner dans cette quête, c'est super, hein? Ce monstre n'a aucune chance face à vous deux, pardon, mais je te demanderai quand même de faire preuve de prudence, s'il te plaît. Et ben, on va aller faire le Bichaten Sangha. C'est parti. Donc là, c'est la sous-espèce du Bichaten. Vous allez voir, hein, des petites variantes au niveau de ses capacités. On va manger, hein, comme d'habitude, surtout contre un Bichaten Sangha. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les sous-espèces, elles font très mal aussi. Alors, il y en a certaines, elles sont un peu bof, et puis il y en a d'autres qui sont quand même mieux à chasser. Voilà. Le Tengu écarlate au temple oublié. Si vous connaissez les Tengu, c'est que vous connaissez ma vidéo ou vous êtes informé. なる行いがさらなる苦労を呼び、少女氏がかなる災いとなったとしても、大いなる負の炎端をなすそれは宴のように見えるものである。 Bichaten en face.
Winter Rise Sunbreak, Fioren vous accompagne parfois pour les quêtes urgentes. Surmontez-les ensemble. Remarque, si Fioren s'évanouit, cela ne sera pas pris en compte. Fioren peut vous accompagner en mode un joueur ou multijoueur. Hop. J'avais baissé le truc. Ah oui, ils sont toujours en train de papoter. J'avais baissé
Ouais, la ratienne va scanner. Enfin, à chaque fois, de toute façon, quand il y a un lancement, je peux penser que ça ratienne. Ouh, chaud, chaud, chaud. Qui est énervé, là, ça y est, il est parti.
donna des eurykia glands aux pile poil pour les aider à augmenter leur mémoire. La mémoire talent d'un pile poil peut être augmentée à 3 fois. Vous pouvez récupérer des eurykia glands auprès des mercenaires RM uniquement via les quêtes secondaires facultatives et dans d'autres situations. Donc en gros, il demande de faire ça. Peut-être en remettre et puis les eurykia glands.
et n'aime pas souvent d'approche. Si tu pouvais éliminer les bichettes de son garde, ça me permettrait de ramasser tranquillement ce qui pose des pas. Et bien ça, ce sera pour la prochaine comment dire, vidéo. Hein. Je crois que les bichettes de son garde, on va en avoir plein. Parce que entre la personne qui veut qu'on la capture un pour son cirque, l'autre pour ses bongos, c'est bon ou quoi. On a compris que c'était une sous-espèce, que c'était un nouveau mob, et calmez-vous. On va refaire avant le coffre. Alors, j'avais pas utilisé ça, mais par contre, vu qu'il y en a deux. Hop, hop, hop. Non, c'est comme ça. Tac. Et est-ce qu'il y a l'autre? Oui. Ah oui. Sans faire exprès, en fait, j'avais fait la loterie.
Et bah, je vais un peu me prendre des pistolets à eau. Pas réussi à attraper quoi. Il manquait juste comment dire un petit bon tranquille, tant pis. Non mais ça va là, les croquis, c'est de bonne vie. Excusez-moi, je prends un petit peu de. Sur les murs là ici.
Pareil, l'intérieur d'un crabe. Hein. C'était magnifique. Pareil, j'allais chercher les avant-postes hein, pour la jungle. Voilà. Comme ça, au moins, l'inventaire sera déjà prêt. Il faudra juste que j'achète ou que je crée des bons temps pour que je regarde si j'ai tout ce qu'il me faut. Et je ferai ça hors vidéo, bien évidemment. Comme ça, j'ai mes